Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Spectrum Télévision. Comme chaque mercredi soir, c'est la Nuit du Sport, votre magazine hebdomadaire de débat sportif. L'information a barré la une de plusieurs journaux ce jour. Le toss du TASS, titre le quotidien privé Mutation. Game over, écrit pour sa part le Messager. Hier, en effet, dans la crise post-électorale qui secoue la Fédération camerounaise de football, le tribunal arbitral du sport TASS a non seulement ratifié la convention signée par la majorité des membres de l'AG de 2009, mais a aussi indiqué que la procédure arbitrale dans l'affaire Babaraï, Seydou et consort contre le comité exécutif de la FECAFOOT est terminée et rayée du rôle du TASS. Cette décision conforte donc l'élection de Samuel Etofis à la présidence de la FECAFOOT. Sauf que, dans les minutes qui ont suivi, Abdourahmane Amadou a annoncé via les réseaux sociaux que le tribunal fédéral suisse sera saisi dès la semaine prochaine, car il estime que le TASS a violé son propre code en rendant les sentences d'hier. Depuis, on assiste à différentes interprétations de ces décisions du TASS. Dans la seconde partie de l'émission consacrée donc au débat, vous aurez le regard de nos invités en plateau et aussi au téléphone, avec notamment ce soir Abdoulaye Ado, juriste depuis Yaoundé, et depuis la France, le docteur Jean Crépin Yamsi, l'ex-candidat à la présidence de la FECAFOOT. Malheureusement, Christian Mbomo Timban, l'avocat, n'a pas pu se libérer à temps. Mais bien avant cette problématique, il sera question d'olympisme. Le Cameroun sort, comme vous le savez, des Jeux du Commonwealth, des Jeux islamiques. Outre le bilan, il est question ce soir d'interroger la place réelle de l'olympisme dans notre pays. Et pour en parler, des invités en plateau ce soir, je vais tout d'abord vous présenter, vous, Timothée Makongo. Ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas eu sur ce plateau. Ancien lion indomptable, bonsoir, Maxime. Bonsoir, Magda. Bonsoir au panel. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être là ce soir. Également en plateau, je reçois Joey Dung. Il est, entre autres, entraîneur professionnel de handball du côté de la France. Joe, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Makeda, bonsoir au panel, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV Television et principalement aux populations de Benga de mon village. Ah d'accord. Et toujours dans le sillage de handball, Ebenezer Longo, entraîneur national de l'équipe junior, est avec nous ce soir. Coach, bonsoir. Bonsoir aux panélistes, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir au Cameroun. Hein. Le Cameroun qui aime visionner STV de Makeda, Nuit des Sports, tous les mercredis. Et en tout cas, merci d'être là, coach. Et le meilleur, je l'ai gardé pour la fin. On a encore le privilège et l'honneur de recevoir une médaillée d'or en plateau ce soir. Après Yvan Wandji, la semaine dernière, nous recevons ce soir Hélène Ouézieux-Dombeu. Double médaille d'or aux derniers Jeux africains 2015-2019. Ça, c'est entre autres distinction. Bonsoir Hélène, bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Merci de me recevoir. Vous allez bien? Ça va, merci. D'accord. On va démarrer cette émission par le volleyball. Beaucoup d'actualités de ce côté-là, il faut signaler. On va peut-être commencer par regarder ces petites images. C'est la pause du Taraflex du côté du gymnase du collège Johnson à Yaoundé. Voilà, coach, peut-être vous pouvez un peu nous expliquer à quoi ça renvoie le Taraflex et Tessera. Ok. Les différentes surfaces de jeu dans nos sports en salle, parce que le handball, le volleyball, le basket, ce sont des sports en salle, de manière sincère. Ouais. Nous n'avons pas besoin de jouer à l'extérieur parce que les intempéries voudraient bien que le ballon qui est tenu par les mains, glisse tout le temps. Et là, c'est le gymnase, c'est le sol qui doivent donner la possibilité aux joueurs, donner la possibilité à celui-là même d'aimer ce sport. Mm-hmm. Alors quand il va le faire dehors, il pleut, les intempéries, on arrête la rencontre. Voilà, le Taraflex, il donne la possibilité à ce même joueur de ne jamais se blesser. Quand je dis blessé, parce que le sol, il n'est pas rigueux. Le sol, il est adapté
au plongeon, parce que nous avons techniquement au volley, au handball, des gens qui vont au sol. Voilà. Ils sont en contact avec le sol. Oui. Il ne faudrait donc pas que le corps soit entamé. D'accord. Et qu'il ait des problèmes. Oui. C'est la raison pour laquelle on a commencé d'abord par le plancher. D'accord. Le plancher, on glisse un tout petit peu. Mmh. On a amené le Taraflex. On a amené d'autres couvertures sur le sol pour que le joueur soit protégé. Et là, ce sont des images d'il y a à peine, on va dire quoi, quelques minutes, hein, parce que la pause est en train de se faire de ce côté-là. Et forcément, on imagine que ce sera un plus pour les volleyeurs, coach. Oui. Un plus pour les volets, quand je le dis, Johnson a bien aimé faire du volet. Ouais. Il a dit, tous les sports en salle, quand je veux faire Taraflex, parce que, imaginez un seul instant, Taraflex a commencé avec handball. Quand vous avez eu les experts de la France, ils ont dit, il faut rapidement changer les différentes surfaces où on va plonger, on va jouer. Et maintenant, Johnson a pensé que le volley qui a des rapports directs avec l'école donne aussi la possibilité au traçage du handball et du basket. D'accord. On va évidemment continuer avec l'actu du volley en mettant tout de suite le cap sur la Slovénie. C'est vrai, c'est un peu loin. Mais il y a l'équipe nationale de volleyball, seniors, messieurs, qui se trouve là-bas. C'est pour participer au championnat du monde de cette discipline qui démarre dès vendredi prochain. Et justement, pour avoir un peu l'état d'esprit de nos volleyeurs à quelques jours de cette compétition, nous avons le team manager de cette équipe camerounaise avec nous ce soir, William Kenfak. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Peut-être pouvez-vous nous dire un peu, justement, ce soir, on est à quelques jours, vendredi n'est plus loin, on est à quelques jours du démarrage de ce championnat du monde. Comment va l'équipe où en êtes-vous, justement, avec la préparation de manière globale de cette compétition? Bonsoir, Madame Makeda. Bonsoir à vos invités, ainsi qu'à tous vos téléspectateurs. C'est une bonne chose de nous associer à votre émission ce soir afin de donner les dernières nouvelles en ce qui concerne l'équipe nationale, monsieur, volleyball du Cameroun. Oui, après les Jeux islamiques, où nous avons obtenu la médaille d'argent, le cap a été aussitôt mis sur Maribor, où l'équipe a continué sa mise au vert avec notamment quelques matchs amicaux avec contre le Qatar, contre l'Égypte et contre une sélection du championnat slovène. Et aujourd'hui encore, nous avons joué contre le Qatar. C'est toujours les matchs de préparation, c'est-à-dire que ce n'est pas le vainqueur qui est le plus important, mais c'est plutôt le respect des consignes par les différents entraîneurs, parce que ce sont des matchs à thème, au cours desquels les entraîneurs peuvent à tout moment interrompre pour donner des consignes ou bien pour changer une donne. Donc, c'est un peu ce genre de match qui a été livré. Bon, à l'exception de l'Égypte, où c'était un match plein et toujours pour des raisons psychologiques, le match s'est arrêté sur le score de 2-7 partout, parce que ce n'est pas forcément le vainqueur qu'on cherche, mais c'est plutôt le respect des consignes par les entraîneurs. Bon, aujourd'hui, nous sommes déjà en pleine compétition parce qu'il dit que c'est dans quelques jours. Aujourd'hui, c'est le 24. C'était l'arrivée officielle de toutes les équipes devant prendre part au championnat en Slovénie. Donc, la date butoir pour l'arrivée en Slovénie s'était fixée pour aujourd'hui. Et nous, étant déjà en Slovénie, à Maribor, il nous fallait donc rejoindre la ville de Ljubljana où vont se dérouler les matchs de la poule en Slovénie, parce qu'il y a deux pays. Après le retrait de la compétition à la Russie, c'est la Slovénie et la Pologne qui vont apporter cette compétition. Donc, nous sommes arrivés à Ljubljana avec tous les autres adversaires. Demain, il y a l'enquête préliminaire. Puisque la compétition a commencé, nous sommes déjà entre les mains des organisateurs, puisque les organisateurs doivent
savoir au moment où se trouvent les équipes pour des contrôles inopinés anti-dopage et beaucoup d'autres tests de COVID et ainsi qu'ils faisaient entre-temps. Donc, nous sommes déjà entre les mains de l'organisateur de la FIVB. La compétition est lancée. C'est vrai que le premier match du Cameroun, c'est mercredi, c'est le 26 à 20h contre la Slovénie, le pays hôte. Alors, j'allais justement vous demander, avant de vous laisser, team manager, parce que vous êtes véritablement au four et au moulin, quelles sont, d'après vous, justement, les chances du Cameroun dans ces championnats du monde? On sait, par exemple, dans notre groupe, il y a la Slovénie, l'un des pays hôtes de cette compétition. Il y a l'Allemagne, il y a la France. Oui, nous ne venons pas en défaitiste. Nous ne sommes pas préparés pour venir perdre. Nous nous sommes préparés pour venir gagner. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié le reportage que vous avez fait en ce qui concerne la pose du Terraflex au Collège Johnson. C'est la première salle réalisée par la Fédération camerounaise de volleyball. Et c'est ce dont nous avons besoin, parce que quand vous, les autres pays que nous allons affronter ou que nous avons affrontés pendant les Jeux islamiques sont des pays qui ont des salles couvertes un peu partout. Dans ce Terraflex, les joueurs y sont habitués. C'est vrai, nous avons quelques professionnels qui sont habitués déjà au Terraflex. Nous avons aussi des joueurs du championnat local qui, depuis un bon bout de temps, nous jouons dans les salles couvertes, notamment l'école des travaux ou le palais de polyvalent des sports de Yaoundé. On est déjà aussi habitués. Mais cette salle va nous permettre de produire beaucoup plus de meilleurs éléments qui vont nous permettre maintenant d'envisager. C'est vrai, l'équipe ici, d'après l'expression du coach et des joueurs, ils ont dit qu'ils sont venus au braquage. Puisqu'on ne les attend pas, par conséquent, ils viennent pour créer une sensation. Sensation de se faire plaisir d'abord, sensation de marquer leur nom dans l'histoire du volleyball, sensation de marquer le nom du Cameroun dans l'histoire du volleyball mondial. Ce qui fait que, c'est vrai, nous avons des adversaires de très haut calibre, notamment la France qui est championne olympique en titre et championne de la VNL. C'est un adversaire très coriace. Nous avons la Slovénie qui a fait le troisième tour de la VNL et nous avons aussi l'Allemagne. Mais ce ne sont pas des noms qui nous font peur. Comme on dit souvent, c'est au sol. Nous venons aussi étant champions des Jeux islamiques. Merci. La médaille d'or nous a aussi de pouvoir rôder les effectifs et de juger aussi notre niveau. Donc, une chose est sûre, toutes les équipes, les 24 équipes qui se retrouvent au championnat du monde, chacune a sa chance d'aller le plus loin possible. C'est comme ça que nous concevons et nous prenons la chose. D'accord. Merci beaucoup, William, depuis la Slovénie, pour ces dernières nouvelles fraîches hein, par rapport à l'équipe du Cameroun qui prend donc part au championnat du monde de volleyball senior monsieur. On le rappelle, co-organisé cette année par la Slovénie et la Pologne. Merci beaucoup. Et forcément, on va suivre hein, les performances du Cameroun dans cette compétition. Il a dit c'est au sol. J'aime bien cette expression. Voilà. Et peut-être avant de sortir du volet, on va rappeler justement que les moins de 21 ans étaient en compétition hein, il y a quelques jours du côté de la Tunisie. On voit justement voilà, ces images. L'équipe nationale de volleyball, messieurs les moins de 21 ans, qui a donc remporté la médaille de bronze lors de la 20e édition du championnat d'Afrique des Nations de cette discipline qui s'est récemment achevée du côté de la Tunisie. Donc lundi dernier, le Cameroun a battu le Nigeria lors du match pour la 3e place par 3-7-0, 25-21 au premier set, 25-20 au deuxième set, 25-23 au troisième set. Et en dehors de la troisième place africaine, le Cameroun brille donc de nouveau avec des distinctions individuelles, hein, à l'instar du meilleur pointu David Kemé et Landry Gavogo, le MVP. Voilà, peut-être... Hélène, une réaction, hein. Là, on est un peu dans ce sont les catégories inférieures au niveau du volleyball. C'est peut-être important pour une fédération de mettre l'accent là-dessus aussi, et pas seulement au niveau des équipes seniors. Oui, c'est important parce que tout commence avec eux, en fait. Parce que quand on vise des compétitions de haut niveau, il faut viser aussi sur les plus jeunes. Parce que quand ils grandissent avec de bonnes bases et cet esprit-là,
de compétition, dans le bon état d'esprit de compétition, ça fera des champions seniors qui seront déjà aguerris et avertis. Donc il faut qu'ils aient déjà les habitudes en fait, de se frotter au plus grand. Oui, oui. Il faut qu'ils se frottent au plus grand pour que quand ils arrivent à l'étape senior, qu'ils ne soient pas frustrés ou intimidés. Donc c'est très bien de commencer là. Pour l'instant, ils n'ont pas grand-chose à perdre et ils ont tout à apprendre au contraire. Ils ont tout à apprendre. C'est vrai quand même que le président de la Fédération Camerounaise de volleyball, Serge Abouem, qu'on a eu avant cette émission, il disait, bon, c'est vrai, les joueurs terminent avec une médaille de bronze dans cette compétition, mais l'objectif, selon lui, a été atteint parce qu'il fallait se qualifier pour le championnat du monde et la troisième place ouvrait justement la voie à cette compétition. Donc, certes, on termine troisième, Joe, mais il y a quand même à la clé cette qualification-là pour le championnat du monde. Oui, une qualification pour le championnat du monde, ce n'est jamais à négliger. Hein. Ça fait toujours du bien pour notre pays, pour la Fédération camerounaise de volleyball. Et surtout, moi, je vais tirer un grand coup de chapeau au président Serge Abouem. Parce qu'arriver à faire tout ce qu'il fait en jeunes, sans le moins des financements du ministère des Sports, parce que j'ai appris évidemment que le ministère des Sports, dans les autres fédérations, les autres catégories, ne finançait pas les voyages. Donc il est en train de se battre tout seul à faire voyager ses enfants. Et c'est là où ça se passe. En fait, les victoires de demain se préparent chez les jeunes. Ouais. Si on n'a pas préparé les jeunes, si en catégorie jeune on n'a rien foutu, c'est pas en senior qu'on ira gagner. C'est impossible. Parce que tous les autres pays aujourd'hui, dans tous les autres sports, les gens se sont adaptés. Les gens ont compris qu'il y avait matière à faire chez les jeunes et qu'il fallait préparer les jeunes à toutes les compétitions afin qu'ils puissent devenir des seniors demain. Donc pour moi, j'ai dit bravo au président Serge Abouem. C'est peut-être très tôt de parler de handball, mais j'ai dit chez moi par contre... ça ne se fait pas. Voilà. On va y revenir pour tenter justement de comprendre pourquoi ça ne se fait pas pour le moment. On parle d'une autre discipline, c'est l'athlétisme, la mère de toutes les disciplines, comme on dit généralement. Et en ce qui concerne l'athlétisme, il faut signaler que les pistes du stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé ont abrité cet après-midi même l'acte 2 des finales nationales d'athlétisme des catégories U20, U12, U14 et U16. L'événement est baptisé les Poussinades de Yassa. Le but est celui de détecter les jeunes athlètes pour un encadrement optimal, pouvant justement les amener à devenir des grands champions demain. Pour plus de précisions, nous vous proposons d'écouter quelques réactions recueillies sur place à Yaoundé par Thierry Hon. En fait, la deuxième édition, nous avons voulu de cette compétition, une compétition assez professionnelle. L'année dernière, on a essayé, en fait. On a accepté tout le monde. Il y avait des gens qui venaient de part et d'autre. Il y avait des parents, il y avait des personnes lambda qui venaient. Donc, on a pris tout le monde. Et pour la compétition de cette journée, on a voulu de cette compétition assez professionnelle. Donc, les listes se sont faites à l'avance. Les enfants se sont fait engager par leur club, leurs écoles d'athlétisme en avance. Et on n'a pas pu rajouter d'autres enfants aujourd'hui. Donc nous avons déjà tout professionnalisé. Et les enfants, pendant toute la saison sportive, ils ont fait des compétitions. Et aujourd'hui, c'est la clôture en termes de finale nationale d'athlétisme pour les jeunes. Quel est l'objectif recherché ? L'objectif recherché, c'est la détection des talents. Parce que le Cameroun regorge d'énormes talents. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est la détection des talents. Nous sommes en train de faire une vraie détection. Du côté final, parce que les enfants, ils ont fait des compétitions toute l'année. Aujourd'hui, c'est la finalité de la détection des talents. Vous êtes satisfait au regard de l'engouement des équipes? 10 équipes se présentent pour cette activité. À ça, je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire, parce que moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est une grosse surprise. Donc, encore une fois de plus, je tire un grand chapeau à la Fédération camerounaise d'athlétisme pour ce grand rassemblement. Et d'essayer de mettre du sien pour que vive l'athlétisme camerounais, pour qu'il y ait de la relève. Oui, je trouve que c'est une bonne initiative d'encourager les enfants déjà à commencer le sport en bas âge pour que bon, chacun trouve sa voie. Il n'y a pas que l'école, il y a les loisirs, il y a les passions.
Et c'est bien de les développer en bas âge. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Et c'est bien organisé. Ce n'est pas la première fois que l'enfant compétit. Et jusque-là, tout va bien. Bonjour, je m'appelle Assimigan Frédéric Hortense. Je suis venue compétir pour représenter mon pays. Merci bien. Tu es dans quel club? Je suis à la CMPS. C'est la première fois que je suis venue compétir. C'est bien. Bon, pour moi, c'est un honneur de participer à cette compétition. Bon, c'est la première fois que ma grand-mère, qui est là, m'amène dans une compétition de ce genre. Moi, j'étais habituée à des compétitions normales, mais là, j'ai vraiment aimé. J'ai très, très bien aimé. C'est un honneur pour moi de faire cette compétition. C'était tout un travail. Il fallait bien s'entraîner. Bon, j'ai réussi quand même les sélections et c'était très bien pour moi. Voilà pour ces quelques réactions de ces poussinates, on peut le dire ainsi, qu'on a rencontrées du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Peut-être une réaction, Timothée Makongo, là-dessus. On est toujours dans... On parlait des jeunes il y a un instant. Là, on est encore descendu très bas, moins de 10 ans quand même. En fait, je me réjouis de voir qu'il y a quand même encore des rassembleurs, des gens qui pensent à rassembler les jeunes pour une émulsion. Mais mon souci reste toujours quand je vois tous ces jeunes-là qui sont assoiffés de champions, de futurs champions un jour dans ce pays. Mon souci, c'est quand je jette un regard vers les autorités, les publics, qui, elles, doivent absolument encourager le sport d'une manière ou d'une autre. J'étais un peu choqué tout à l'heure quand on m'a dit que quand on m'a rappelé, parce que ça je le savais, que le président Abouem du volleyball était obligé de financer lui-même les voyages de ses filles. C'est pour. Et ce qui m'écœure au fond, c'est que après les hommes politiques récupèrent ces victoires et font comme si c'est eux qui font avancer le sport. Et il faudrait déjà avancer, il faudrait déjà encourager beaucoup ces mécènes-là. Et je suis très bien, très amusé, très encouragé par l'optimisme de cette dame-là, cet encadreur-là qui était en train de donner son point de vue, qui espérait que les choses allaient marcher mieux. C'est beaucoup de courage, mais sans les autorités publiques, sans la hiérarchie, les interventions de la hiérarchie, nous ne pouvons pas avancer dans le sport. Parce que nous avons besoin, absolument besoin, que l'État nous encadre et qu'ils orientent les dispositions, les pronostics, les choix des promoteurs de sport. Et c'est déjà pas mal d'avoir les Camerounais. Maintenant, parlons du Cameroun, quand on parle de Poussimad, là, qui est une initiative extraordinaire. Heureusement qu'on a donné l'autorisation du stade et autres. Mais derrière tout ça, il faut un suivi. Ce doit se faire au fil des années, au fil des mois, pendant que les enfants grandissent. Comme cette petite qui a parlé à la fin, elle a peut-être 10 ans ou 11 ans, elle aura bientôt 16 ans. Si on la suivait, elle pourrait peut-être championne. C'est ce que les autres pays, les grands pays de la planète Terre ont fait. Pourquoi nous, au Cameroun, on reste toujours là, on parle de ce truc-là, mais ça concerne toujours des gens qui ont la volonté de le faire, mais l'État, jamais. Et ça, c'est une faute très, très grave au niveau de l'État. Il n'y a pas de révolution de sport au niveau de notre État du Cameroun. Et ça, c'est très, très fâcheux, parce que quand je vois souvent, je me fâche moi à la télé quand je vois les interventions du ministre des Sports. Parce qu'il vient intervenir, quoi? Parce qu'il vient dans les trucs que les autres ont organisés, que des mécènes ont organisés, et qui veulent promouvoir quelque chose sur le plan social au Cameroun, sur le plan sportif et social au Cameroun. Et ces mécènes-là, il s'agit de ne plus les décourager. L'exemple du président Abouem est un très bel exemple, parce qu'en réalité, c'est depuis des années qu'il est en mouvement, qu'il ne se décourage pas, et... Des gens comme ça ne sont pas nombreux. Et si maintenant l'État, qui est chargé de promouvoir cette chose, d'encourager, d'encenser cette idée d'esprit, ne fait rien, nous allons nous endormir. Et c'est pour ça qu'il faut en appeler à toutes les instances, depuis la présidence de la République, en passant par les premiers ministères et tous les autres ministères,
qu'on lance le sport Cameroun. C'est pas seulement, on dit que les formations, c'est les études, c'est les brevets, les baccalauréats et tout ça, mais le sport, c'est une promotion sociale incroyable. Hein? C'est les ambassadeurs qui se forment dans le sport. Les meilleurs ambassadeurs qu'on a eu dans ce pays, c'est dans le sport. Oui. Ce n'est pas dans les études. Bon, nous avons une pléiade de professeurs, de ceci, de telle matière, de telle autre. C'est une pléiade, mais qui sont presque stériles. Mais un sportif que nous peut être champion du monde dans 100 mètres, mais mon ami, ça fait un ambassadeur extraordinaire. On a vu le cas de Ngamou. Ouais, hein, qui a été un cas extraordinaire, un gars qui venait, appelons ça, disons-le comme ça, qui venait de la rue et qui est devenu champion du monde et qui est maintenant respecté par les autorités camerounaises. Mm-hmm. C'est presque dégoûtant. Il y a un côté dégoûtant là-dedans qui est appelé par les autorités camerounaises. Quand on le prend pour le mettre sur les premières échelles, et j'ai dit il faut absolument que l'essentiel soit fait. L'essentiel, c'est que nous devons avoir une révolution de sport au Cameroun. Nous avons une pépinière extraordinaire dans le football, dans le handball, dans le basketball, dans l'athlétisme, dans tous les sports. J'ai même vu, même dans la natation, maintenant, nous avons une pépinière. Mmh. Et c'est toujours des mécènes qui s'en occupent. D'accord. À quoi nous sert finalement le ministère des Sports si ce n'est que pour venir ramasser les lauriers? Voilà. Peut-être une version avec Hélène. Hein. Vous avez quand même une grosse expérience internationale là-dessus. Est-ce que ça vous est arrivé quand même de voir ce genre d'initiative? Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il avance, parce que moi-même, pour pouvoir me rapprocher de la performance de ce que, enfin, j'ai la chance de vivre à l'extérieur et je vois à peu près ce qu'il faut comme effort pour rêver de performance, et j'ai eu à financer 90% de toutes mes compétitions. 90%. Du coup, je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand on gagne, c'est l'État qui gagne, c'est tout le monde qui gagne. Mais quand on s'entraîne, quand on se prépare, quand il y a tout ce qui est derrière... Vous êtes toute seule. Là, il n'y a plus personne. Et ça, c'est... Et quelle est la raison qu'on vous donne souvent si... Qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de financement. Ah, ça fait sourire, Joe. Ce qui est marrant, c'est que des fois, même quand il y a, j'avance quand même. Du coup, on ne sait plus. C'est très décevant, en fait, et très démotivant quand il y a, comme il disait, il y a énormément de talents. Oui. Au Cameroun, que ce soit intellectuellement ou physiquement, parce que peu importe où on va, on reconnaît le Cameroun comme nation du sport. Oui. Et c'est dommage qu'il y en ait tellement qui soient performants avec très peu. Donc imaginons s'il y avait un tout petit peu d'effort, tout ce qu'on pourrait accomplir en fait. Et c'est, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Beaucoup de choses, mais il faut que ça change. Il faut qu'on ouvre les yeux là-dessus, en fait. Parce qu'on tue énormément de talents. Et je pense que les jeunes, même s'ils rêvent de sport, même s'ils rêvent de compétition, arrivant à un moment donné, ils risquent d'être déçus. Baisser les bras et démotivés, ou se tromper, ou se détourner, en fait, de la vraie raison pour laquelle ils veulent faire du sport. Et le faire par dépit ou par intérêt. Et non plus par passion. Et quand un athlète quitte la passion pour de l'intérêt, ça veut dire qu'on a déjà perdu un grand atout, en fait. D'accord. Alors, on va revenir là dans un instant. Peut-être le temps de terminer cette pause actuelle avec vous, Timothée Makongo. On parle football avec la Coupe du Monde qui se profile à l'horizon. Et on attend toujours un peu de connaître les adversaires, par exemple, de l'équipe nationale de football du Cameroun. Par rapport les matchs de préparation, etc. Bon, pour le moment, on n'a pas encore d'informations officielles là-dessus. Mais d'après vous, quels pourraient être justement des adversaires, le profil de nos adversaires par rapport à cette Coupe du Monde? Par rapport à la Coupe du Monde, là, c'est difficile à dire. Nous vivons une équipe, une réalité de mondialisation, même en football, qui fait que les compétences sont plus ou moins partagées à tous les niveaux, dans tous les pays. Il est difficile maintenant de savoir qui est le plus faible, qui est le plus fort. C'est vrai que nous, en Afrique, nous souffrons un peu de ce manque de structure, d'encadrement, parce qu'en réalité, il nous manque beaucoup d'encadrement. Ce n'est pas les talents qui nous manquent, en réalité. C'est beaucoup plus cette solidarité, cette cohésion d'ensemble qui fait l'effort, cette étincelle qui nous manque pour que nous soyons parmi les plus forts de la planète. Ouais. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait des différences très marquées, comme il y a 20 ans, 30 ans, entre les équipes
de l'autre côté de l'Occident et autres, de l'Asie et les équipes africaines. Les équipes africaines ont fait beaucoup de talent et ne plus, il ne faut pas oublier, nous avons une pléiade de joueurs dans les équipes occidentales, dans les équipes du monde entier, qui apportent un peu de leur expérience au niveau national. Mm-hmm. Moi, je reste toujours sur le fait que notre faiblesse réside essentiellement dans un manque de cohésion d'ensemble depuis le corps administratif jusqu'au corps qui encadre les jeunes directement. Mm-hmm. Et puis l'influence négative et même mauvaise et même presque maléfique des hommes qui dirigent les nations sur les entraîneurs. Parce que les entraîneurs, nous en avons de très très belles qualités, de très très bonnes qualités, mm-hmm. mais ils sont obligés de se soumettre aux politiques des gens qui sont des profanes en matière technique pour ce qui concerne les sports, qui sont absolument des profanes et qui en fait regardent d'autres intérêts au lieu de regarder l'intérêt de l'épanouissement de nos jeunes, de l'épanouissement de nos sports. Donc pour ce qui concerne la Coupe du Monde de football, je pense que pour l'instant, moi j'apprécie beaucoup les actes qui sont posés par la Fédération Camerounaise de football, qui regardent les choses en futur, en termes de développement, en termes d'épanouissement de l'équipe, en termes, hein, ça c'est très bien. Je pense simplement, j'espère qu'on laissera un peu la main libre aux entraîneurs et à tout le personnel d'encadrement pour que nous ayons une équipe très très forte. Parce que maintenant, nous nous engageons à la Coupe du Monde, la force mentale compte beaucoup. D'accord. La force mentale compte énormément. Hein. Bon, nous avons ce fantastique qui se meurt plus ou moins à cause du fléchissement de nos encadreurs politiques, hein, qui pour la plupart ne sont pas des passionnés de sport. Mm-hmm. Or, nous avons dans le sport essentiellement beaucoup de passionnés. Nous avons dans le football beaucoup de passionnés mm-hmm. qui sont en train de faire une espèce de passer par une certaine mutation mm-hmm. qui deviennent des hommes, plus ou moins des hommes d'affaires, parce que la réalité qui les entraîne, c'est une réalité financière, une réalité socio-financière, et c'est très, 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 très embêtant. D'accord. À mon avis, c'est très embêtant. Moi, je pense que nous restons absolument à la hauteur. Oui. C'est maintenant les organisations, les cohésions d'ensemble. Hein. C'est-à-dire que cette harmonisation mm-hmm. des forces que nous avons, mm-hmm. si la force gouvernementale pouvait être une véritable force qui a de la passion, hein, et rejoindre la force des sportifs, qui est une véritable passion aussi, hein, nous serions terribles. Ce n'est pas un manque technique, hein, ce n'est pas un manque de qualité de joueur, de qualité de jeu, c'est un manque de cohésion qui nous mine. D'accord. Forcément, on va revenir sur cette actualité hein, au niveau des préparatifs de l'équipe du Cameroun qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde de football Qatar 2022. Donc, on va rentrer sans transition dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat avec deux thématiques ce soir. On va parler tout à l'heure de la dernière actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football en rapport avec l'aspect judiciaire. Le temps pour nous de nous intéresser évidemment au comportement du Cameroun dans ce qu'on peut... On peut dire hein, l'olympisme de manière globale. Il y a eu les Jeux du Commonwealth, il y a eu les Jeux de la solidarité islamique, il y a eu aussi les Jeux africains, vous le savez. Et ce soir, question avec nos différents invités d'interroger la place justement de l'olympisme dans notre pays, le Cameroun, aujourd'hui. On va commencer, Adonis Yamen, avec cette belle image, hein, cette belle image d'Hélène. D'Hélène qui est actuellement donc en ce jour au Cameroun et qui a tenu à mener cette action humanitaire. J'ai bien envie de demander, Hélène, pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé? D'abord, c'est parce que je me suis toujours dit que les enfants, quand ils naissent, ils ne demandent pas à être là. Et c'est très injuste qu'ils naissent déjà dans des difficultés, dans des problèmes, parce qu'on sait que la vie d'adulte n'est pas simple. Donc un enfant naisse avec soit des parents absents ou des parents qui n'ont pas la possibilité de s'occuper d'eux mmh. ou voilà pour de multiples raisons et que ces enfants-là qui ne comprennent encore rien à la vie mmh. Se retrouvent un peu délaissés. On sait tous qu'un adulte, on va dire stable, se construit dans l'enfance. Donc le geste en fait c'était juste pour essayer de leur faire savoir que ok leur vie n'a peut-être pas démarré de manière très douce mais malgré tout ils ne sont pas tout seuls
Oui. Il y a toutes ces institutions, des orphelinats, on a vu le centre d'accueil. Mmh. Il y a toutes ces personnes déjà qui ont pris cette initiative de les accueillir. Et ça demande énormément de travail de s'occuper d'enfants. Enfin, tous les parents savent qu'avoir un, deux, trois enfants, ah ouais, ce n'est pas évident. Donc, mmh, imaginez en avoir 50. Mmh. Donc, je pense que c'est important qu'on se sente un peu tous concernés. Mmh. Ce sont des petits gestes. La sœur à Saint-Jean disait que si chacun donne 100 francs, si 10 personnes donnaient 100 francs, mmh, ça ferait 1000 francs. Et 1000 francs, c'est le repas pour une journée pour un enfant. Mmh. 100 francs, c'est pas grand-chose. Donc, imaginez si tout le monde se mobilisait, peut-être que ces enfants pourraient avoir au moins une vie un peu plus douce et plus agréable. Mmh. C'est vrai que la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours, hein, pratiquement. Oui. On a vu ces fournitures-là. C'est important, l'éducation chez un enfant. Mmh. C'est très important. C'est un peu la base, on va dire, la sécurité. Oui. La sécurité dans l'avenir et la garantie qu'on peut... On a toujours l'option de pouvoir faire quelque chose. Mmh. Moi, enfin, j'ai toujours pensé qu'il faut avoir, il faut mettre les options de son côté. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du sport de haut niveau et en parallèle, j'ai fait des études aussi très poussées. Et je me suis toujours dit, en étant à l'étranger, en étant une femme, en étant noire dans un pays européen, je me dois d'avoir toutes les options de mon côté. Oui. Et je me dois de m'assurer une vie, une carrière, que ce soit professionnellement et sportivement. Mmh. Bon, indirectement, c'est un peu ce que je veux dire à ces jeunes-là, parce qu'eux, ils sont encore d'autant plus dans la difficulté, avec beaucoup de chances de soit de se détourner de l'école ou d'être, oui, en échec scolaire. Donc, en leur apportant des cahiers, indirectement, c'est un peu pour les encourager. On t'a offert un cahier, mm-hmm, utilise-le. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. Et surtout, veille de rentrer, peut-être que ça les motivera un peu plus. Parce que j'ai discuté avec des jeunes là, du centre d'accueil, un des, mmh, jeunes qui est venu même à l'orphelinat aussi à IDEA, mmh, naturellement pour me parler, on a commencé à parler judo, et ensuite, c'est allé tout doucement sur des questions de la vie, ça va, est-ce que tout va bien, et ils se sont ouverts, et ça m'a énormément touchée, mmh, et ces enfants, ils sont juste un peu déboussolés, et en discutant avec eux 5 minutes, je pense que juste le fait d'avoir été là, oui, a potentiellement eu un impact assez positif dans leur vie, dans ce qu'ils peuvent imaginer ou rêver de leur avenir. Mmh. Je pense que c'était la première fois qu'ils voient une judokate. Ouais. Et ouais, en plus, qu'ils viennent leur parler d'école. Ouais. Donc, je, mmh, pense que ça a quand même eu un petit impact. Mmh. Et je sais que les enfants voient les choses de manière un peu plus grande que les adultes. Toute, oui, petite chose qu'on leur donne, ça peut les marquer, mmh, pour longtemps. Mmh. Et voilà, ça leur marquera pour maintenant. Et ça se trouve, plus tard, si ça leur sert, j'espère bien, mm-hmm, plus tard, ils pourront aussi refaire la même chose à d'autres. Ouais. Et ça, c'est juste créer cette sorte de chaîne, mm-hmm, humanitaire. D'accord, merci beaucoup pour ces explications, Hélène. On va parler, hein, évidemment, de manière globale un peu sur le plan sportif. Par exemple, le regard que vous, Ebenezer Longo, vous avez aujourd'hui de notre équipe engagée dans, que ce soit dans les Jeux du Commonwealth, les Jeux de la solidarité islamique, quel est le regard justement que vous jetez sur la team olympique globalement aujourd'hui? Aujourd'hui, merci Lydie, mmh, parce que le sport nous a emmenés à renverser toutes les barrières du monde. On parle aujourd'hui de mondialisation, pas seulement en économie. Oui. Je pense pour ma part, quand nous brandissons le drapeau du Cameroun partout ailleurs dans le monde, on a le respect, mm-hmm, de tous ceux qui nous regardent, mm-hmm, à travers la communication, la télévision, la radio, quand on parle vert ou jaune. Je crois pour ma part que c'est quelque chose de très motivant pour ceux qui sont nés dans ce pays, pour ceux qui sont natifs de ce pays. Et avant, on parlait, quand le baron Pierre de Coubertin, mm-hmm, ramenait les Jeux Olympiques en 1894, c'était une proposition dans l'Académie pour que ce soit accepté en 1896, et qui est exactement ces Jeux à Athènes, là où on les avait laissés à l'époque antique. Vous voyez un peu, c'était un rassemblement, un brassage des peuples. Et quand la team Cameroun est en train de s'engager, mm-hmm, pour représenter vert ou jaune, c'est dire
à la population. Je disais tout à l'heure que c'était l'essentiel était de participer pour Pierre de Coubertin. Mais aujourd'hui, l'essentiel seulement n'est pas de participer parce que l'enfant, le sportif, le jeune, il a une fierté quand il gagne, quand il a une médaille. Tu vois, elle est devant moi, la fierté. Et nous avons beaucoup d'émotions quand on voit un Camerounais, une Camerounaise encore, je dis, dans le gendre, c'est-à-dire la femme qui est en train de porter une médaille. Vous voyez, j'ai de l'émotion quand elle est en train de parler, là, pour dire qu'elle est championne de judo. Et vous voyez, dans cette team, et on n'a pas fait allusion au football. On n'a pas fait allusion à des sports spécifiques. On a mis tout sur la table pour voir que l'individu peut se mouvoir dans quelques sports que ce soit, en représentant son pays, en représentant la devise, en chantant l'hymne national devant beaucoup de nations du monde. Vous voyez, devant toute la planète, quelle est l'émotion que ça peut faire? Franchement, je crois que c'est l'une des meilleures émotions de ma vie quand... À chaque fois, j'ai entendu l'hymne national retentir dans un gymnase, dans une aréna, et le drapeau qui monte. Franchement, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Oui. Mais c'est pas évident. Vous voyez, ma chère, vous voyez ce que je vis là maintenant. Alors, Joe, dites-nous un peu aujourd'hui, justement, on parle de l'olympisme. Vous êtes plus dans le handball. Voilà, vous êtes plus dans le handball. On a aussi vu avec le coach Ebenezer Longo, il m'en parlait hier, vous menez des actions, des activités pour pouvoir booster justement cette discipline au niveau du Cameroun, votre pays. C'est vrai, vous n'êtes pas là, mais est-ce que la tâche est quand même facile? La tâche n'est jamais facile pour mon pays, le Cameroun. Vous savez, au Cameroun, chaque fois qu'on entreprend, fait quelque chose, on rencontre beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il y a des problèmes administratifs, il y a des jaloux, il y a ceux qui pensent que derrière l'aide qu'on veut apporter à son pays, on a reçu de l'argent quelque part et on ne veut pas partager avec les autres. Pourtant, non, rien de ça, rien de ça. En fait, j'ai voulu répondre à un souci majeur dans le handball camerounais. Nous avons vraiment un problème très grave dans notre handball. Notre handball, nous sommes dans les profondeurs, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans la tombe. Notre handball, jadis... Il y a une fédération qui est pourtant là, Joey Doum. Oui, la fédération. C'est pas comme si rien n'est fait. On voit les compétitions se disputer les week-ends du côté, certes, de Yaoundé, mais... La fédération, elle est là, mais la fédération, c'est pas une personne. Oui. Le président Bita ne peut pas tout faire tout seul. Si nous ne venons pas, nous, handballeurs, aider le président Bita, il ne s'en sortira jamais. C'est ça le problème. Aujourd'hui, comme disait le grand Fema Congo tout à l'heure, le regret, c'est que le ministère des Sports s'est désengagé. Non, le ministère des Sports n'est plus présent. C'est pas un procès contre le ministère des Sports ce soir. Non, ce n'est pas un procès, mais le ministère des Sports a laissé place aux individus, aux personnes. Si vous pouvez aider le sport, allez-y. Et moi, je pense que c'est avec ça que le volleyball s'en sort. C'est avec ça que le football, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, le grand carnet d'Agres, c'est avec ça qu'il est en train de s'en sortir. Le judo, avec ce que nous avons vu sur le plan humanitaire tout à l'heure, ce qui est très très bien. Mais le handball, si les handballeurs ne se réveillent pas, on va tuer notre sport. Il faut que les handballeurs se lèvent. C'est d'abord les handballeurs. Ce n'est pas une affaire du ministère des Sports ou d'un individu à la Fédération camerounaise de handball. Quand le président Bita arrivait aux affaires en 2013, nous avons été deux, a dit que le handball, il est fini déjà. Les gens, ils n'ont pas cru. Oui, ils n'étaient même pas installés que nous avons crié. Nous avons dit c'est fini, il n'y a rien à faire. Notre handball, il est dans le trou. Il y a eu certains aînés. Pourquoi est-ce que vous avez pensé comme ça sur le coup, direct? Je l'ai vu à l'époque, vivait encore le président Moudimé. Je lui avais dit que les changements qui sont en train de s'opérer au niveau mondial vont pénaliser notre pays si jamais on ne s'adaptait pas. Et cette difficulté à pouvoir s'adapter, nous sommes en train de payer au taux fort tout ce qui est en train de se passer dans le handball.
Jadis, le Cameroun est parmi les 5 grands garçons. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Avant-dernier de la CAN. Nous sommes avant-dernier de la CAN. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu travailler. Nous sommes restés sur nos lauriers. Nous avons voulu faire comme il y a 30 ans, il y a 40 ans. Alors que partout ailleurs, ça a changé. Il faut regarder le travail qui s'est fait au Zimbabwe, au Burkina Faso, au Togo, en Côte d'Ivoire. C'est oui. Ça, il faut apprécier. Et chez moi, mais rien n'est fait dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'on attend une seule personne, le sénateur Mbita. Non, il ne peut pas tout seul. Ça, je l'ai compris. Il ne peut pas. Il n'y a pas de subvention. Le ministère des Sports ne donne pas de subvention. Ou alors, ils ont donné une fois, je crois en 93, si j'ai bonne mémoire, 5 millions de francs. Et depuis là, plus rien. Vous pensez que les fédérations vont fonctionner avec quoi? Mais il faut donc venir en aide à notre handball. Il faut des personnes de bonne volonté qui vont se mettre au travail aux côtés du président Mbita, à moi ou bien à nous, la Cameroun Handball Academy. Le président Mbita a donné l'onction de faire tout ce qui est bien pour que le handball camerounais avance. Et c'est nous qui sommes en train de s'occuper effectivement de la formation du jeune joueur. Et nous avons encore ouvert un autre volet, la formation des cadres. Nous avons découvert que beaucoup d'entraîneurs sur le terrain étaient entraîneurs, permettez-moi le terme, autoproclamés. Par le niveau de jeu qu'ils avaient eu à l'époque, ils essayaient de donner aux enfants ce qu'ils peuvent donner, qu'ils n'avaient pas une formation quelconque. Donc aujourd'hui, avec le stage qui s'est déroulé le 18-19 juin à Yaoundé, nous avons fait venir un expert français, Ludovic Temcho, Sechi, qui est arrivé au Cameroun et qui a pris 2 jours pour former les entraîneurs camerounais. Mais il faut faire des choses. Oui. On ne peut pas attendre tout de l'État. L'État aujourd'hui, je crois que l'État est là. L'État ne peut plus rien. D'où le ministre des Sports, ben, on va appeler à gauche, on appelle au judo, on appelle au handball, on appelle au volley, il ne peut plus bouger. Donc à nous, des personnes, des privés, à venir aider nos disciplines. Et moi, je le fais. Parce que Timothée Makongo, il estime que l'État doit tout faire. Vous dites... Je ne dis pas que l'État doit tout faire. On reste un peu dans cet esprit-là, mais vous dites, on ne va pas seulement attendre l'État. On ne peut plus l'attendre. Il faut également multiplier des actions privées. Personnelles, justement, pour pouvoir sauver la discipline. Effectivement. Voilà. Aujourd'hui... Je peux juste dire quelque chose en parenthèse. Nous sommes dans une organisation étatique avec... toutes les structures, toutes les portions de structures qui organisent l'État. Hein, l'État prend soin de l'agriculture, il prend soin de ceci, il prend soin des maladies, il prend soin de ceci, cela. Le sport doit avoir sa part dans les budgets officiels de l'État. Hein. Et le sport, c'est plusieurs fédérations, c'est pas les gens qui ont décidé de faire des fédérations. Le Cameroun s'est engagé à être un pays de sport et nous avons beaucoup de disciplines dans ce sens. Mmh. Et toutes ces disciplines doivent entrer dans une ligne budgétaire. L'État, c'est les lignes budgétaires. Maintenant, je suis d'accord avec toi quand tu parles de l'engagement des hommes. Oui. Tu te souviens, il y a une vingtaine, trentaine d'années, nous étions parmi les deux premiers pays d'Afrique en matière de handball. Nous avons été champions d'Afrique en handball. Effectivement. Et nous avons été champions d'Afrique, même en handball féminin, parce que même le handball féminin avait une dimension. Quoi. C'est vrai que... A gagné le championnat. À Ilori. C'est vrai qu'il y a eu cette dégradation, mais à l'époque, ce handball marchait. Yeah. Pourquoi? Parce que non seulement il y avait beaucoup de passionnés, mais c'est encore des passionnés, des mécènes qui finançaient le handball. Des sociétés. Et il y avait des gens qui arrivaient à convaincre les sociétés, comme à l'époque il y avait Simancam, Rai, et tout ça, beaucoup de sociétés. Sonel. À Yaoundé, il y avait FAP, il y avait beaucoup de sociétés finançaient le handball, mais ces sociétés n'ont pas vu leurs intérêts, leur quotient, leur quota d'impôts diminuer par rapport à parce qu'ils s'occupaient du handball. Hein. Alors ils ont abandonné progressivement et les passionnés ont commencé à mourir progressivement. Et c'est pour ça, quand tu dis que le handball n'a pas suivi toutes les évolutions qu'il y a eu, et c'est vrai, c'est pour ça que la mort est inévitable dans ce genre de cas, quelle que soit la volonté des mécènes. Mais il faut absolument que l'État y mette du sien, parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'argent pour une ligne budgétaire et que vous avez de l'argent pour une autre ligne budgétaire. D'accord, les missions des membres du gouvernement sont dans les lignes budgétaires. Arrête, on se retrouve juste derrière. No bring love, come on, rude boy. You better
show me what you got. See, I don't need love, no real love. Come on, rude boy, you better show me what you got. Bom, 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 bom. Kikoto, arikidoto, arikikoto, arikidoto, arikikoto, arikidoto. Bom, 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 on my knees. My lady, do me well, she say, oh yes, sir. Oh yes, I do, oh yes, sir. Oh yes, I'm on my knees. Réacteur Dark Power. No limits. Un produit sous du pays. Bon, on va laisser la parole au coach Ebenezer Longo, hein, qui était dans un très bel argumentaire en off. Coach, vous étiez justement en train de revenir un peu sur le contexte de ce qui se faisait avant, par rapport par exemple à une discipline comme le handball et ce qu'on observe maintenant. Oui, vraiment, Lydie. Ma déception, elle est très grande. Que je vive dans un pays que d'antan, il y avait beaucoup de moyens. Quand je dis beaucoup de moyens, c'est moyens. Moyens pour que le sportif soit à l'aise. D'accord. Qu'il aille dans un stade, prêt pour jouer, prêt, satisfait, dans son fort intérieur, qui tend ses parents, qui savent que tout ce qui est bon là-dedans, dans tous les sports du monde, ça ne peut être que le football. Mais maintenant, on voit un jeune qui est élève, étudiant, qui a fait du handball. La satisfaction venait d'où? Parce qu'il y avait une motivation. La motivation n'était pas seulement pécuniaire. La motivation était sur le plan matériel. Je pouvais avoir un bon survêtement. Une bonne tenue. Même au niveau de l'enseignement. Je suis bien. Maintenant, j'ai devant moi quelqu'un qui a excellé dans le jeu, qui est en train de m'enseigner, qui me donne des prémices de quelque chose de très bien. Comment je vais fuir de là? Je ne pars pas de là parce que je suis motivé d'écouter le discours de celui qui est devant moi. Je veux jouer comme tel. Et il me dit, vas-y, joue comme celui-là. Et quand je fais ma feinte, à gauche, passage à droite, débordement, avec main gauche, main droite, technique, tactique, vraiment. Qu'est-ce que je ne peux pas avoir comme fierté d'être dans cet espace? J'aurai la fierté d'être là tous les jours. La motivation, comme je disais tout à l'heure, elle n'était pas pécuniaire seulement. Ouais. L'envie de voir quelqu'un qui joue très bien. Dans un sport que j'aime. Je m'incline et je voudrais voir cette personne. Et je ramasse son ballon dans le gymnase, dans le stade, en Goli. Bon, nous, on a été formés au départ au collège Liberman. Je suis élève jésuite. Et on a enchaîné avec De La Salle. Imaginez, Sikam, Hanba, qui nous, tout petits, je voyais des grands jouer et je venais ramasser le ballon. Hein, en ramassant mon ballon, avant de le transmettre, je fais aussi le geste. Du handballeur que je voudrais copier dans l'avenir. Vous voyez que la fierté de voir. Vous en parlez encore avec beaucoup d'émotions. Ces émotions. Ça, maintenant, quand j'arrive au stade de Ngodi, le Golgotha du handball camerounais, parce que tout le monde a été formé à handball. Ça veut dire, quand je dis tout le monde, il y a eu Madagascar à Yaoundé, il y a eu Ngodi à Douala, mais tout le monde là est arrivé à Ngodi. C'est pour ça qu'on appelle ça Golgotha, du handball camerounais. Tu y arrives, la feinte, tu la connais. Le débordement, je fais débordement comme tel joueur. Je fais la feinte comme tel autre joueur. Je tire comme, j'ai donné les noms tout à l'heure, je contre comme, je bats comme, je défends comme. Et vous pouvez imaginer tout cela. Alors, quand il n'y en a plus aujourd'hui, Joe Edun arrive. C'est pas le Messie. Mais Joe Edun arrive. Prenez les mots que vous voulez. Prenons les mots que nous voulons pour que nous donnions la possibilité à ce monsieur qui a accepté la promotion du handball camerounais pour remettre en place la base. Tout ce que nous devons faire, c'est le respect de la formation du jeune. Ma fille l'a dit tout à l'heure. La formation du jeune a des paliers. Et il faut respecter ces paliers avant d'être grand joueur. Le palier 1, le palier 2, le palier 3 et le palier 4 qu'on doit respecter. N'allons pas à la dérive.
On est entraîneur, on fuit les séminaires, on fuit les stages, on fuit l'apprentissage réel du handball. Allons au séminaire. Vous avez vu le stage du 18-19 juillet à Yaoundé avec Ludovic. Qui a pris ses engagements? C'est Joy Doum qui a pris ses engagements en France avec ses amis pour venir former. Et la formation, ce n'est pas deux jours, ce n'est pas trois jours. C'est insuffisant. Mais il a déposé les armes. Il a déposé les armes. C'était les prémices de comment former le joueur. On ne peut former ce joueur que quand on a un formateur qui puisse le former. Donc, la formation des formateurs ouais. nous incombe. On est là-dessus. Nos directions qui gèrent notre sport, nos sports, doivent avoir l'œil dessus. De comment faire. Quels sont les contenus qui doivent former le joueur. En formant le joueur, on doit commencer par le formateur. Et le formateur, lui aussi, doit appeler tout autour de lui ceux qui maîtrisent les règles de ce jeu avant de le jouer. Et c'est ça qui fait en réalité la beauté de tous les sports que nous allons faire. Le formateur, celui qui maîtrise les règles, l'administrateur qui va gérer. Donc l'administrateur qui va gérer doit avoir des encadreurs, doit avoir des gens qui sont tout autour de lui. Comme il disait que monsieur, le président Bittar, le sénateur Bittar ne peut pas tout faire. C'est nous là, les handballeurs, je ne veux pas. Aujourd'hui, tu as commencé ton travail, toi le président. Tu vas t'affaiblir. Parce que tu n'as pas de soutien à gauche, à droite. Tu n'as personne qui peut te donner un coup de main. Le coup de main, c'est quoi? Ce n'est pas de l'argent. Et nous parlons tous les jours des sponsors. Les sponsors ne peuvent venir dans la pratique d'un sport quand celui-ci est propre, clair, plausible pour accepter. C'est-à-dire jouer dans un environnement qui est propre. Un environnement qui est clair. Ouais, c'était coller leur image, justement. Très bien. Un bon stade. Une belle infrastructure. Un bon plan de jeu. Quand on voit des gens qui jouent bien, vraiment, on aura l'envie d'être là-bas. On comprend alors qu'il y a beaucoup, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de challenges. Et ces challenges-là, je vais les énumérer très rapidement parce que Joy Doum s'est ouvert. Il s'est ouvert. On commence par quoi? Vous n'avez pas d'infrastructure, vous allez jouer où? Vous n'avez pas de matériel pour jouer. C'est pour ça qu'il arrive avec ses partenaires, bien, pour qu'on ait des ballons. Il faut l'infrastructure. Il faut le matériel à utiliser pour jouer. Il faut celui qui doit t'aider à utiliser et l'infrastructure et le matériel. Il faut avoir l'administrateur qui doit savoir que cet enfant où cet administrateur sort de chez lui. Comment il fait? Est-ce qu'il mange même? Comment il fait? Il faut donc trouver une structure, c'est-à-dire les statuts et règlements de son fonctionnement. Il faut donc, enfin, au-dessus de tout cela, avoir le gestionnaire des différents gestes qui sont apposés à ce jeu. Et alors là, nous pouvons être tranquilles d'avoir tous les promoteurs. Ils viendront nombreux. Pour l'instant, le promoteur, Joy Doum, a escamoté très vite. Il dit que voici les ballons. Vous voulez les ballons? Voici les ballons. On va jouer les ballons là sur quoi? Où? L'infrastructure. Trouvons là, jouons. Et maintenant, vous aussi, l'argent viendra après tout cela. Voilà. Avant peut-être l'intervention de Joe, Hélène, vous qui êtes justement à l'étranger, qu'est-ce que vous... Par exemple, vous constatez, que ce soit dans l'organisation, la pratique des différents sports là-bas, ce qui se fait là-bas, que vous ne retrouvez pas ici. Je pense que la chose la plus importante, c'est la recherche de la performance. Là-bas, on recherche la performance et on met les athlètes dans des conditions qui font qu'ils ne doivent se concentrer que sur cette performance-là. Par contre, ici... je pense que la recherche de la performance n'est pas la priorité. Et les athlètes sont plutôt mis dans des situations où ils s'occupent de tout,
sauf de la recherche de la performance. Et on ne sait même plus si c'est parce que tout le monde est inconscient de ce qu'il faut faire ou c'est parce que ce n'est vraiment pas la priorité. Et c'est dommage, en fait. C'est ce qui pousse, c'est ce qui fait que, malgré toutes les volontés et tous les efforts en fait, qu'on peut mettre, arriver le jour J, il y a tellement de choses à côté qu'on ne doit pas gérer, qui font qu'on sort de la compétition avant même que la compétition ne débute. Mmh. Et le jour J, on passe à côté. On passe complètement à côté. C'est pas parce qu'on était moins fort. Mmh. Peut-être qu'on n'était pas préparé correctement. Mmh. Mais tout ça, ça rentre dans cette recherche de performance qui fait que les choses doivent être mises en place étape par étape en fonction des échéances. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ce qui est fait. Mmh. Je suis désolée de le dire de cette façon, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans la figuration que dans cette recherche de performance-là. Mmh. Et c'est la grosse différence qu'il y a entre que moi j'ai remarqué, en tout cas, entre ici et là-bas. Mmh. Jo, je vous vois acquiescer. C'est un peu le même constat aussi de votre côté? Oui. Au Cameroun, tout sauf, on ne parle pas des jeunes. Et dans tout sport au Cameroun, on parle très peu, comme au volleyball, comme au basketball. Mmh. Au football aussi un peu. Mais les fédérations, les encadreurs s'occupent très peu des jeunes. Et chez nous, handball, je vais toujours revenir à mon sport préféré. Chez nous, handball, on ne passe même pas par là. Les jeunes, on ne leur donne même pas leur chance. C'est pour ça que je m'investis sur ce projet jeune. Il me tient vraiment, vraiment à cœur. Et j'ai mis une académie sur pied au Cameroun. Et à la tête de cette académie se trouve... un brave monsieur, monsieur Émile Essombé, qui dirige l'académie de main de maître. Il fait vraiment des efforts, de gros efforts financiers, il faut le dire, à pouvoir faire marcher les choses dans cette académie. Voilà, j'ai dit, le grand frère Émile Essombé, il est disponible. Ouais. Il donne du temps pour cette académie. Il est prêt en journée, ça porte son téléphone, il décroche à tout moment et il fait un gros travail. Et de l'autre côté, nous avons sur le plan technique le docteur Mbou que le président Bita nous a donné, qui également se bat énormément pour que, au niveau des centres, tout puisse passer correctement. Et on ne va pas oublier les différents entraîneurs jeunes qui, sous la pluie, sous le soleil, ils sont présents avec les enfants. Leur unique récompense, c'est la passion. Ils ne sont pas payés, ils n'ont rien du tout. Et voilà, j'ai donc décidé qu'à travers ça, je vais apporter mon aide à mon pays, l'aide à ces différents enfants qui ont cette envie de jouer au handball. Au jour d'aujourd'hui, je suis à plus de 3000 ballons distribués sur le territoire national. Ah, donc ce n'est pas seulement Douala Yaoundé. Oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à Yaoundé, à Douala, à l'extrême nord, d'accord, et beaucoup d'autres centres sur le côté, sur les côtés comme Bafia et autres. Mmh. D'ailleurs, je profite pour l'annoncer sur votre plateau. Nous avons une nouvelle distribution d'équipement du 2 au 3 à Ebolova, où nous allons tenir notre assemblée générale. Là, nous sommes chez le président de la Fédération camerounaise de handball. Nous espérons que l'accueil sera favorable, sera à la hauteur, et que les enfants de Bolova nous donneront satisfaction. Mm-hmm. Ouais. Timothée, vous voulez réagir tout à l'heure avant qu'on ne parle justement de l'actu à l'Africa Foot. J'admire beaucoup l'initiative de Jo. Mm-hmm. Hein, et tout à l'heure, quand Hélène parlait, Hélène a dit que en fait, les gens sont concentrés à la recherche de la performance. Alors qu'ici, on est dans une espèce de... figuration. Figuration. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pour qu'on y soit accroché à la compétence ou bien à la... Quel est le mot qu'elle a utilisé? Quel mot tu as utilisé tout à l'heure? La recherche de la performance. À la recherche de la performance. C'est ça l'objectif du sport. C'est l'objectif du sport. Nous sommes d'accord. Mais pour qu'on y arrive, il y a des structures en amont. Il y a une préparation en amont. Le type qui commence son sport en Occident, comme Hélène est là-bas en Occident, elle vient, trouve des structures en place et les structures mettent toutes les dispositions en place pour qu'elle soit à l'aise et que son esprit soit orienté. Je veux dire que
toutes les structures en place, c'est d'abord, derrière tout ça, il y a l'argent dont on parle très peu. Nous sommes dans une réalité de misère au Cameroun. Hein? Les entraîneurs, les encadreurs, les formateurs même sont dans une réalité de misère. Je suis sûr que Joe ne veut pas vous dire combien il a déjà dépensé depuis qu'il est revenu. Ça relève à plusieurs dizaines de millions déjà. Hein? On va lui demander, hein, Joe. Non, il ne va pas le dire parce qu'il est... Vous n'allez pas le dire, alors. Division. Si, hein? Je vais le dire. Bah alors, vas-y, bon. Il cache Joe, pas l'info. Est-ce que derrière toute cette organisation, toutes ces démarches que tu fais, hein, la base n'est pas avoir les moyens de le faire. Parce que pour aller à Ebola, il faut avoir les moyens. Pour intéresser les jeunes, il faut avoir les moyens. Absolument. Pour faire venir les jeunes, les regarder, il faut avoir les moyens. Or, tous ces gens-là qui, non seulement ont besoin de jouer, même à travers la passion, hein, même avec leur passion, ont besoin de vivre. Nous sommes dans une misère relative. Hein, et il va très répondre. Très il va répondre. Oui, Timothée, vous allez continuer. Je précise ça parce qu'en fait, on oublie l'élément de base dans toute forme d'organisation, Joe, qui est le financement. Donnez-nous l'information alors. Comment vous faites ? L'information du financement, c'est que au niveau de la France, j'ai de gros partenaires. Mes premiers partenaires, les hommes forts de cette académie, c'est les clubs français de première et deuxième division, qui, sur le plan matériel, apportent, ça se chiffre en millions de francs CFA, ce qu'ils apportent. J'ai des clubs qui me donnent 500, 1000 ballons, je ne vous dis pas. J'ai un contrat avec Hanesper, M. Laurent Vachet, qui dans les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, m'a promis 3000 à 4000 ballons. À ce jour, M. Laurent Vachet de Hanesper est à plus de 1000 ballons de donner au Cameroun. Voilà. Donc, j'ai d'autres partenaires financiers qui m'aident à pouvoir payer le transport de tous ces équipements vers le Cameroun. Au Cameroun, j'ai des amis et des frères, des grands frères, qui sont au niveau des douanes, qui m'aident à pouvoir sortir tous ces produits sans pouvoir payer la douane. Au niveau de l'aéroport, j'ai des faveurs pour que ce matériel puisse arriver. On me demande toujours une attestation de don. Dès que j'ai produit, le responsable de douane à l'aéroport, il demande que ça sorte et que c'est pour la jeunesse. Alors, quand on a vu tout ça, maintenant, on regarde l'autre côté, sur place au Cameroun. Ce sont les membres de la Cameroun Handball Academy qui font le job, qui font le boulot. Comme je disais tout à l'heure, le président Émile Sombet, qui met énormément la main dans sa poche, toujours en train de financer telle ou telle autre activité, les voyages des gamins, le pain, le stage, il faut faire des attestations de présence. Ben, il est au four au moulin. Et je suis satisfait. Je profite aussi sur cette antenne pour dire merci au président Émile Sombet pour tout ce qu'il fait. Il a une équipe autour de lui, bien sûr. Il a le colonel Nana, il a son deuxième vice-président, le grand frère Pierre-Paul Djonga. Tous, ils essayent d'apporter avec un secrétariat très merveilleux, il faut le dire. Secrétariat, ils font un travail fabuleux. Tous nous sommes. Le coach est à Douala, alors ben, à Douala, je vous dirais, la grande sœur Mandonnet, qui est la responsable régionale, et fait également un très gros travail. Voilà, nous avons la trésorière Sabine, le secrétaire général, le docteur Wandoum, qui font un très gros travail. Et maintenant, nous avons les différents pôles où les entraîneurs Abba, Barim font également un super travail. D'ailleurs, je vais m'étendre au niveau du littoral. C'est ma région. Ouais. Je suis du littoral. Je vais ouvrir des nouveaux pôles au niveau de Nkonsamba, de Yabassi chez moi, et des DA. Donc, dans les jours à venir, également, ces départements-là vont pouvoir bénéficier des équipements de la Cameroun Handball Academy. D'accord. Et le coach, alors? Le coach Longo, il n'est plus à citer, il est sur le plateau. C'est lui qui dirige le centre de formation du collège Alphonse Sakai. Également, il fait un boulot fabuleux. Voilà. Je crois que ça va, coach. Vous êtes rassuré. vous voulez autre chose? D'accord. Dans quelques minutes, on va évoquer la seconde problématique de cette soirée en rapport avec le foot. Mais peut-être pour sortir de ce sujet, c'est vrai, Joe a parlé, Hélène a évoqué la recherche de la performance. Joe a parlé des moyens, oui. J'avais un point à évoquer. D'accord, que les handballeurs camerounais le sachent. Les négociations sont en cours. Parce qu'aujourd'hui, je suis au Cameroun. Elles sont bouclées au niveau de la France. Et je vais leur dire, nous avons réussi en France, Ludovic Temtio, Sechi et moi, à décrocher la formation de cadres des entraîneurs camerounais par visioconférence.
les meilleurs entraîneurs français dans la formation du jeune joueur sont prêts à distiller des cours en visioconférence aux entraîneurs camerounais. Et là-dessus, dans les jours à venir, je vais discuter avec le président Bita de la Fédération camerounaise de handball pour qu'il me donne déjà son go et qu'on s'entende sur les modalités. Mmh. Et au bout, une année après, ils devront arriver sur le territoire camerounais pendant une dizaine de jours pour évaluer ces entraîneurs sur place. Voilà un peu la bonne nouvelle des entraîneurs camerounais. Mais il y a beaucoup d'autres choses en perspective. Nous sommes en train de négocier également des partenariats avec des centres de formation, des gros clubs, pour que les enfants ne partent plus en France à 25 ou à 30 ans. Mon souhait, c'est qu'ils arrivent à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Mais maintenant, il y a un gros travail à faire en amont, un gros travail qu'il faut vraiment faire au Cameroun pour que moi, de mon côté, je puisse trouver, je puisse donner la chance à ces enfants de venir faire du sport-études en France. D'accord. Qu'ils soient pris en charge par des clubs français et parce qu'ils jouent au handball, qu'ils puissent aller à l'école et gagner leur vie dans le futur. Est-ce que peut-être Hélène pense aussi à la précarrière? Là, écoutez, tout ce programme, c'est quand même du costaud, il faut le souligner. Est-ce que vous, ça vous arrive quand même de penser à ce que vous allez faire après, ou vous dites non, non, je continue et puis le mois venu, je vais voir? Non, non, je pense que la précarrière, il faut la préparer pendant la carrière. Du coup, en étant athlète, j'ai passé pas mal de diplômes dans le sport, en plus de mon diplôme d'ingénieur. Donc j'ai passé un diplôme de coach, un diplôme en management du sport et un diplôme de préparateur mental. Donc je pourrais exercer plus tard dans soit les trois, soit un des trois, en plus de mon bagage ingénieur. Du coup, je pense que c'est pendant qu'il faut préparer le après. Parce qu'une fois qu'on arrête, on retombe dans de nouvelles réalités qui peuvent nous absorber. Parce que la vie de sportif est quand même très intense. Et le fait de switcher de carrière, en fait, on peut très vite se perdre là-dedans. Et quand on lève la tête, quand on sort du tourbillon de l'après, parfois beaucoup de temps est passé, on n'a pas vu. Et parfois on est soit démotivé ou on n'a plus le même engouement pour se remettre dans l'apprentissage et la formation. Donc c'est important de le faire pendant pour... déjà, on peut l'appliquer à nous-mêmes puisqu'on apprend de nouvelles choses et on voit les choses de manière... on a la vision du coach et ça permet aussi de faciliter la suite. C'est très important de le faire pendant. D'accord. Quels sont aujourd'hui quand même les rapports avec la Fédération camerounaise de judo qui a quand même construit ces jours-ci un dojo justement pour pouvoir pour un meilleur encadrement des athlètes? La Fédération a construit un dojo. Oui, je pense que tout le monde a un peu participé à la construction de ce dojo, notamment l'ambassade du Japon et beaucoup de personnes aussi judoka, parce qu'il y a eu une collecte qui a été organisée. Donc tout le monde a participé d'une certaine façon. Moi, mes rapports avec la Fédération sont, je vais être honnête, inexistants depuis juin 2021. Parce que j'ai fait ma dernière compétition, la dernière fois que je les ai eus, que je les ai croisés, c'était à ce moment-là. J'ai été blessée. Vous savez que le Covid a un peu bousillé, chamboulé la vie de tout le monde et des sportifs avec le décalage des Jeux. Une année de plus sur une Olympiade, c'est énorme. Et j'ai été blessée, j'ai été opérée de la main, j'ai failli perdre l'usage de ma main droite parce que je me suis blessée pendant la compétition au championnat du monde. Et ensuite, j'ai eu le ligament croisé du genou, le ligament croisé sur le genou, qui a été rompu, plus le ménisque et le ligament interne. Donc j'ai subi deux grosses interventions entre 2021 et 2022. Et j'ai été énormément déçue parce que je n'ai eu aucune nouvelle de la fête. Pourtant, ils savaient très bien que j'ai été opérée, je leur ai envoyé les factures et tout ce qu'il fallait. Mais je n'ai pas eu de retour, je n'ai jamais eu un appel, je n'ai jamais eu, je n'ai rien eu d'eux. Et je pense que ça, c'est depuis le jour où il y a eu un grand débat en fin 2020 quand j'ai dit que je suis un peu fatiguée de tout supporter. Il y a eu le Covid, tout est fermé, il n'y a pas moyen de s'entraîner, moi je suis toute seule en France. J'ai juste lancé un appel à l'aide, un cri, pour dire on fait comment en fait. Je suis toute seule, j'ai besoin d'aide. Et visiblement la fédération n'a pas apprécié. Et pendant toutes les semaines qui ont suivi ça, je crois qu'on n'a jamais autant prononcé mon nom dans les médias de manière négative. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait.
et qui m'a traité de tous les noms. Et je ne sais pas, ça a tout cassé. Je me dis, enfin, après avoir tout supporté pendant tellement d'années, parce que tous ceux qui sont dans le milieu du judo savent à quel point je me suis investie, sans jamais broncher, parce que moi, je me concentrais sur ce que j'avais à faire, c'était les compétitions. Et même à ce moment-là, quand il y a eu tout ce, on va dire, ce buzz sur le fait que je n'étais pas accompagnée, je n'ai pas voulu réagir parce que moi, j'ai dit, j'ai parlé parce que j'avais besoin de solutions pour continuer ma préparation pour les Jeux. Je n'étais pas là pour faire le buzz ou rentrer dans des combats parce que je n'avais pas d'énergie et l'esprit. À ce moment-là, moi, je me concentrais sur mes compétitions. Je ne pouvais pas dépenser de l'énergie dans des combats de la sorte, en fait. Et je pense que depuis ce jour-là, il y a un truc, il y a quelque chose qui s'est cassé parce qu'à partir de ce moment-là, la fédération a commencé à mettre les bâtons dans les roues dans tous les sens, pendant les compétitions, sur toute l'Olympiade. Et je pense que ça a énormément joué aussi sur le fait que j'ai finalement perdu ma qualification pour les Jeux. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que j'ai eu toute l'année 2021, là, c'était une année de frustration. Donc, mes rapports avec la fédération sont à ce jour inexistants, on va dire. Inexistant, c'est bien le mot. D'accord, merci bien. J'ai vu le coach soupirer. Oui, c'est difficile. Voilà, on va évoluer dans cette émission en évoquant cette fois la seconde et dernière thématique de cette partie consacrée au débat. Et on parle foot, notamment avec le tribunal arbitral du sport qui a donc rendu des sentences hier, hein, dans le cadre, vous le savez, de la crise post-électorale qui s'écoule à Fecafoot. On va peut-être voir un peu d'informations. Je disais tantôt, ça a barré la une de plusieurs journaux ce mercredi 24 août. Voilà, par exemple, le messager qui titre Game Over, voilà, par rapport à ces procédures. Le toast du TAS titre mutation pour sa part en rapport avec cette information. Et puis on va voir également le jour aussi qui a parlé de ça. Samuel Eto'o reste le président de la Fecafoot. Un autre journal, l'info à chaud, dit qu'il a fallu du temps. Et puis il y a le temps aussi, justement, le temps. Fecafoot, Samuel Eto'o libère le football camerounais après 13 ans de procès, en référence justement à ces multiples procès qui, Timothée Makongo, évidemment, se sont entassés, hein, au fil des années sur la table du tribunal arbitral du sport. Et puis il y a ces sentences qui sont tombées hier. Je ne sais pas si on peut avoir déjà depuis la France le docteur Jean Crépin Yamsi pour avoir son analyse là-dessus, ou encore d'un moment à l'autre, on pourra avoir depuis. Voilà, docteur, bonsoir. Bonsoir, madame, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, alors une première lecture, docteur, par rapport à ces différentes sentences rendues hier par le tribunal arbitral du sport. Bon, la première des choses, il faut dire que le TAS a fait son job, hein. Le TAS a décidé d'étudier le dossier en profondeur et le TAS a pris sa décision. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est conforté dans sa position en tant que président de la Fédération camerounaise de football. C'est une bataille de 8 mois. Surtout que la Fédération camerounaise de football a traversé beaucoup de turbulences. Si aujourd'hui on peut respirer, c'est une bonne chose et le football camerounais peut évoluer sereinement et tranquillement, préparer la Coupe du Monde qui arrive d'ici 2 mois, le 7. Et là, nous avons les matchs amicaux prévus au mois de septembre en Asie. Donc, moi, je peux juste vous dire, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Samuel Eto'o peut respirer. Malheureusement, lui respire, mais les adversaires de Samuel Eto'o ne respirent pas parce qu'ils attendaient une décision contraire, donc l'annulation des élections. Malheureusement, le président Abdourahmane a décidé d'aller au tribunal fédéral pour contester la décision du TAS. Bon, c'est son droit, mais je pense que ça ne vaut pas la peine d'y aller
tribunal du TAS, parce que il faut laisser le football camerounais évoluer. En 8 mois, nous avons vu de bonnes choses avec Samuel Eto'o, nous avons vu l'évolution, nous avons vu le football camerounais évoluer d'une manière grandissante. Et pourquoi aller critiquer ou bien combattre le travail que Samuel abat aujourd'hui? J'ai toujours l'habitude de dire, détestons l'homme, mais ne détestons pas le travail qu'il abat sur le terrain. D'accord. Alors, on a également en ligne depuis Yaoundé Abdoulaye Ado, il est juriste et évidemment il suit de très près l'actualité au niveau de la Fédération Camerounaise de football. Abdoulaye Ado, bonsoir. Bonsoir Lydie et bonsoir à tout ton panel. Alors, on vient de suivre par exemple le docteur Jean Crépin Yamsi qui estime que les sentences rendues hier, le TAS a fait ce qu'il avait à faire. C'est une bonne décision, a-t-il affirmé. Quelle est votre lecture, vous, justement, Abdoulaye, par rapport à ces sentences rendues hier? Bon, moi, en tant que juriste, je prends acte de ce que le TAS a fait. Également, ceux qui supportent l'exécutif actuel de l'Africa Foot, ou même le TAS lui-même, fait que ces décisions ne sont pas définitives. Et parce que ces décisions ne sont pas définitives, on peut donc, au niveau du tribunal fédéral suisse, qui est la Cour suprême suisse, porter des contestations à ce niveau-là, si on estime qu'on n'est pas satisfait de ce que le TAS a fait. De mon point de vue, par rapport à ces deux décisions, pour moi, elles sont curieuses. Curieuses parce qu'à un moment de la procédure, je crois en janvier, la Fédération Camerounaise de football n'avait pas été capable de payer les frais de grève. Et tout le monde sait, quand on essaye de scruter le code de procédure du TAS au niveau de l'article 65 alinéa 2, on vous indique que quand vous ne payez pas les frais de grève, votre affaire ne peut être enrôlée et on doit la retirer. Et je crois qu'il y a eu une décision dans ce sens-là qui a indiqué que la FECAFOOT était tombée dans la forclusion. Ça veut dire une action hors délai. À partir de ce moment-là, on ne pouvait plus continuer la procédure. On constatait simplement que la FECAFOOT n'a pas payé. Mais il y a eu une curiosité juridique qui vraiment peut surprendre tout le monde. On a relevé la FECAFOOT de la forclusion. Et la FECAFOOT a finalement payé. À partir donc de ce moment-là, le TAS, parce que le tribunal fédéral suisse doit examiner toutes les questions qui peuvent troubler l'ordre public juridictionnel suisse. Est-ce qu'en Suisse, une juridiction peut dire qu'un forclos peut être repris? À partir de ce moment-là, au niveau du tribunal fédéral suisse, il ne s'occupe pas des faits que vous avez négociés avec l'AG de 2009, que vous avez ci, que vous avez ça, mais il s'occupe du droit. Est-ce que le droit a été appliqué à ce moment-là? Si le droit n'est pas appliqué à ce moment-là, le tribunal fédéral suisse va donc réexaminer et on peut même arriver à réformer cette décision-là. Et je suis rapidement pour vous dire que, également, j'ai suivi des débats et même des arguments des avocats. Il y en a qui ont cru que l'Assemblée générale a une personnalité juridique. Non, l'Assemblée générale n'a pas de personnalité juridique. C'est la FECAFOOT qui a la personnalité juridique. Donc, si vous êtes membre de l'Assemblée générale, il faut agir individuellement en tant que personne physique. C'est vous qui avez la personnalité juridique. Donc, une Assemblée qui n'a pas de personnalité juridique ne peut pas, donc, rester en justice. Je m'arrête là pour le moment. Vous vous arrêtez là pour le moment. Il y a beaucoup de grilles. Vous avez une autre question. Évidemment, vous restez avec nous, Abdoulaye Ado. Le docteur Jean Crépin Yamsi aussi. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Et Abdoulaye Ado qui a expliqué
qui estime quand même qu'il y a pas mal de curiosité juridique dans cette affaire. Et il rappelait que les décisions du tribunal arbitral du sport ne sont pas définitives. Comme pour dire qu'évidemment, c'est normal l'affaire se poursuive du côté du tribunal arbitral, du tribunal fédéral suisse. Peut-être Timothée Makongo avant le docteur Jean Crépin-Yamsi. Bon, voilà. En fait, moi, sincèrement, je pense que toute cette race d'hommes-là qui combattent un peu le sport camerounais et qui pensent que c'est l'intellectualisme ou bien les juridismes qui peuvent régler les problèmes du Cameroun, j'ai dit qu'ils sont pas différent des criminels qui agissent au nord, ouest, ou au sud, ouest ou ailleurs. Mais parce qu'ils sont exactement dans la criminalité. On ne va pas extrapoler. Non, je n'extrapole pas. Non, je vous en prie. Nous sommes dans une chute sportive. Mm-hmm. Tout à l'heure, j'ai aimé le discours d'Hélène parce qu'Hélène expliquait les difficultés qu'elle a rencontrées et pourquoi le Cameroun n'était pas en train d'intervenir. Mm-hmm. Nous sommes dans une phase où nous voulons absolument, ça fait 10 ans que ça dure, nous voulons redresser le football du Cameroun. Nous avons un individu qui s'appelle Abdourahmane, on ne sait plus si il est Camerounais, s'il défend le Cameroun, qu'est-ce qu'il défend, en définitive. Nous tous, tout à l'heure, que ce soit Joe, que ce soit le il défend le droit. Il parlait, non, le problème du Cameroun n'est pas de défendre le droit, c'est pas le droit qui nous sort de la misère. Mm. Le droit ne va pas nous sortir de la misère. Si le droit devait nous sortir de la misère, nous serions tous riches au Cameroun, parce que nous sommes un pays potentiellement riche. Potentiellement, ça veut dire que nous pouvons nourrir tous les enfants. Il estime qu'il y a certaines... Des textes qui sont violés, donc il faut réparer cela. Une maison, un quartier en train de brûler, nous faisons les tests de droit, nous appelons les sapeurs-pompiers pour que les sapeurs-pompiers viennent éteindre le feu. Oui. Hein, vous savez, et nous sommes dans une réalité où nous avons besoin des sapeurs-pompiers, nous avons besoin des îles. Lui, il parle de la France, je parle de la France pour dire le handball est en train de se mourir, qu'est-ce que je peux faire pour le handball? Oui. Maintenant, quelqu'un va se lever un matin. Elle va lui dire que la composition qu'il est en train de faire au Cameroun n'est pas légale parce qu'il faut que ça passe par une autorisation, un agrément du ministère des Sports. Parce qu'il faut que ça passe par un agrément de la présidence de la République. Mm. Et nous sommes face à des tueurs de société. Je vous en prie, nous cherchons à rétablir une situation camerounaise au niveau du social, au niveau de la misère que nous vivons, parce que nous sommes dans la misère. Mm. Il y a quelqu'un qui a des millions, vous savez combien coûte une intervention au tribunal arbitral des sports? C'est un terme de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, pour pouvoir intervenir, déposer une requête. Pendant ce temps, il y a des gens qui dorment dans la rue à Douala et qui ont fait à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, dans tout le Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que pendant que nous, la majorité des Camerounais est d'accord qu'il y a un certain monsieur qui est lui aussi archi-millionnaire, qui veut redresser le football du Cameroun par tous les moyens légaux, tous les moyens possibles, en associant le maximum de qu'il y a d'autres qui pensent que le droit n'a pas été respecté. Le Dieu, c'est le droit. C'est la réussite du Cameroun. Abdoulaye Ado, ça dure depuis 10 ans qu'en réalité, il est en train d'œuvrer contre le Cameroun. Je regrette de le dire, il est en train d'œuvrer contre le Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que c'est le droit, on va dire le droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes des décideurs, nous sommes un pays souverain où nous pouvons décider que, compte tenu du taux de famine qui existe dans notre pays, nous voulons relever cette nation en faisant des violations sur ce que les autres appellent droit. On voit partout dans le monde l'Ukraine, la Russie et tout ça, les États-Unis même. C'est le droit qu'ils font triompher quand ils vont attaquer l'Irak. Ce n'est pas un débat politique ici ce soir. Je veux dire qu'ils entrent dans une réalité qui en réalité déstabilise la réalité de volonté d'épanouissement des Camerounais. Ils ne peuvent pas continuer dans ce truc-là en disant nous attaquons le football. Pourquoi attaquer le football? Nous n'êtes pas d'accord avec la démarche d'Abdourahmane. Nous avons des experts partout dans tout notre pays. Et nous sommes obligés d'écouter une décision du tribunal suisse qui n'a pas compétence sur les juridictions camerounaises. Malheureusement, les gens semblent l'oublier. Nous sommes un pays souverain. Abdoulaye Ado, est-ce que vous avez peut-être une réaction après ces propos de Timothée Makongo? Oui, allez-y. Oui. Moi, je ne veux pas être excessif parce que je suis un démocrate et j'ai la chance de vivre dans une démocratie. Dans la démocratie, ce n'est pas les muscles, c'est le droit. Et c'est ça l'état de droit. Si on est démocrate, on est obligé d'accepter ça.
C'est le privilège que le Cameroun nous a donné. Mm. Maintenant, moi je crois que si on est sincère, chacun a la liberté d'accepter, même s'il y a violation de la loi, et il y a d'autres qui ont un rigorisme par rapport au respect de la loi, pour éviter l'arbitraire et l'anarchie. Ceux qui sont capables, ils sont dans le bon droit. Ils vont simplement répondre devant le tribunal fédéral suisse. Ils produisent leurs arguments. Si au niveau du tribunal fédéral suisse, ceux qui font la requête pour attaquer les deux sentences du TAS, certes, la décision devient définitive. Et à ce moment-là, ceux qui pensent donc que l'exécutif qui est là est en train de bien faire, ils auront le temps de bien faire et on va donc juger. Mais moi je crois qu'on ne peut pas retirer le droit à quelqu'un de contester s'il estime à tort ou à raison qu'il a quelque chose à faire valoir. Et les gens doivent apprendre au Cameroun à respecter la loi, à respecter les procédures, à respecter le droit. Tout le monde n'est pas couché dans un pays. Il y a des gens qu'on peut acheter, il y a des gens qu'on peut manipuler, mais il y a des gens que seule la vérité peut les ramener, les rapprocher, et ça leur permet d'être votre soutien. Mais la force, ça ne peut pas. Alors, docteur Jean Crépin Yamsi. Docteur Jean Crépin Yamsi. Oui, je vous écoute. Voilà, vous avez forcément suivi ces différentes réactions. Oui, je vous écoute. En plateau et au téléphone avec Abdoulaye Ado. Vous avez forcément suivi pour vous, il y a justement ces différentes lectures par rapport aux sentences d'hier. Abdoulaye Ado parlait de plusieurs curiosités juridiques dans cette procédure et parle de rigueur. De rigueur, justement, par rapport au respect de la loi que prône Abdourahmane Amadou. Vous avez sans doute assisté à différentes interprétations de cette sentence depuis hier. Quelle est aujourd'hui pour vous peut-être la meilleure attitude à adopter, c'est-à-dire faire taire les querelles ou alors peut-être que la procédure puisse suivre son cours, à écouter un peu justement ce qu'a annoncé Abdourahmane Amadou. Ça me fait, j'ai envie de rire, en même temps envie de pleurer. Parce que quand j'écoute le grand frère Ado parler du droit et dire qu'il est légaliste, je voudrais poser une question à mon aîné. Est-ce qu'il valide l'élection qui vient de se passer? Parce que s'il me dit qu'il ne valide pas l'élection qui vient de se passer, ça veut dire que sa plaidoirie n'a plus de place. Parce que le grand frère Ado était sur des plateaux pour soutenir cette élection et il était le soutien d'un candidat, donc il est partisan pour cette élection, donc il est aujourd'hui comptable de l'élection qui est organisée au Cameroun, donc la victoire de Samuel a été proclamée le 11 décembre. Donc la première question, est-ce que le grand juriste Ado valide ou bien à valider cette élection. Maintenant, la deuxième chose, si le candidat de notre grand juriste avait passé, avait été élu, est-ce que le grand juriste Ado sera en train de tenir ce genre de discours aujourd'hui en disant qu'on va aller au niveau du TAS, on va aller au niveau du fédéral, sachant que ça fait 13 ans que la Fédération camerounaise de football traverse ses difficultés. Si le grand frère Ado me répond à cette question, ça veut juste dire que
il fait partie des gens qui n'ont jamais voulu le changement à la Fédération camerounaise de football. Parce qu'on ne peut pas être légaliste, chercher la liberté, chercher la démocratie, chercher l'épanouissement, le développement de notre football camerounais. Et aujourd'hui, que le football a été libéré, je dirais même ouf, de soulagement des mains du TAS, et qu'aujourd'hui, le grand frère Aldo soit en train de dire que non, il encourage le grand frère Abdourahmane à aller au fédéral. Alors, je me pose bien des questions. Est-ce que le grand frère Aldo voulait vraiment le changement à la tête de la FECAFOOT? Parce que nous avons deux préoccupations. Il a soutenu l'élection de 2021. Il a été le soutien d'un candidat. Donc, son candidat a participé à cette élection. Ce qui veut dire que si son candidat avait gagné cette élection, son candidat sera aujourd'hui devant les juridictions, donc devait être confronté à ce problème du TAS avec l'Assemblée générale de 2009. Voilà. Donc, tu ne peux pas soutenir un candidat. Et aujourd'hui, ton candidat n'a pas gagné. Tu viens encourager l'adversaire à dire non. Ne lâchez pas l'affaire, il faut continuer. L'exécutif qui est là maintenant n'est pas légitime. Alors, est-ce que si son candidat avait gagné, le monsieur Aldo, le juriste, quelle aurait été l'orientation de sa plaidoirie? Quelle aurait été sa orientation? Donc, je pense que c'est un faux débat. Il faut revenir, il faut être fair play, accepter et perdre quand on a perdu, qu'on avance. On accepte voilà, la défaite, qu'on encourage celui qui est là en souhaitant bonne chance à la personne et on se prépare pour les prochaines échéances en se disant ok, bon, nous on était là, on a fait peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'a pas pu s'en sortir des mains du TAS, mais qu'aujourd'hui il y a un homme qui est arrivé en 8 mois, il a pu libérer notre football des mains du TAS. Aujourd'hui, on nous parle du fédéral. Moi, là aussi, je suis convaincu d'une chose. Et d'ailleurs, j'avais répondu sur les réseaux sociaux au grand frère Abdourahmane parce qu'il sentait déjà que, après l'avant-sortie du TAS qui repoussait le verdict au plus tard, le 30 août, j'avais expliqué sur les réseaux sociaux qu'on devait même, c'est depuis le 31 juillet, mais malheureusement, l'interprétation mal positionnée des Camerounais et des juristes camerounais, la condamnation de Samuel Eto'o en Espagne, ils ont pris le dossier de la condamnation de Samuel Eto'o, ils ont encore ajouté en alourdissant le dossier, en se disant que voilà, avec ce qui était là pour l'annulation de l'élection de 2021, on va ajouter maintenant la condamnation de Samuel, et ça sera une pierre deux coups. Malheureusement, le TAS te dit, nous ne sommes pas compétents, nous ne pouvons pas. Il se pourrait, et je vois des gens qui interprètent que il se pourrait veut dire que Samuel, après ce mandat, il ne pourra plus être candidat. Donc, il se pourrait devenir maintenant une affirmation de quelque chose. Moi, je pense qu'en ce moment, il faut arrêter cette langue de bois, il faut arrêter cette tricherie, il faut arrêter cette mesquinerie, il faut encourager l'exécutif qui est là, il faut souhaiter bonne chance. C'est le football camerounais qui gagne, c'est le Cameroun qui sort gagnant et c'est notre développement qui en sort grandi dans tout ce boirade qui dure depuis 13 ans. Il y a Abdoulaye Edo qui veut réagir. Abdoulaye, oui, allez-y. Oui, allez-y. C'est une émission de débat, Timothée Makongo. Bah, vous n'allez pas empêcher certains de s'exprimer. Et que si son candidat gagnait, ou bien si son candidat perdait, peut-être qu'il n'allait pas renoncer au droit de recours. Donc, si c'est ça le problème, vraiment, moi, ici, je ne trouve aucun problème. Quand vous êtes sûr que votre procédure est bonne, votre élection est bonne, mais vous n'avez peur de rien. Pourquoi vous voulez bloquer, empêcher aux gens qui
à tort ou à travers, qu'ils ont un droit à faire valoir, on va le leur empêcher. Moi, je ne comprends pas ça. On est obligé d'accepter. Quand vous prenez l'Assemblée générale de 2009, il y a les membres de cette Assemblée générale qui ont transigé. C'est pourquoi il y a eu la signature d'une convention d'accord parti. Mais les autres n'ont pas transigé. Pourquoi on veut assimiler ceux qui ne veulent pas être avalés dans une transaction? Non. Mais le test estime justement que cela s'impose à tous les membres, Abdoulaye Ado. Non. L'Assemblée générale n'a pas de personnalité juridique. L'Assemblée générale n'a pas de personnalité juridique. Ceux qui ont agi là, c'est les individus qui composent cette Assemblée générale. Et c'est pourquoi, quand les autres acceptent de transiger, ceux qui refusent de transiger, on doit appuyer parce qu'ils ont ce droit-là. Je vous dis que c'est la Fédération camerounaise de football qui a la personnalité juridique. Pour agir en justice, il faut avoir la personnalité juridique. L'Assemblée générale ne l'a pas. C'est pourquoi, même si restait une seule personne, la seule personne-là pouvait faire entendre sa voix et on tranche. Elle gagne ou elle perd. Et c'est pourquoi maintenant, parmi les conditions qui permettent de saisir le tribunal fédéral suisse, il y a ce qu'on voit dans ces sentences-là, ce que je veux appeler la perturbation de l'ordre public juridique suisse. Est-ce qu'en Suisse, on peut accepter qu'une juridiction qui siège en Suisse dise que, évidemment, en Suisse, quelqu'un peut être forclos et puis après, on le relève. C'est pourquoi le tribunal fédéral suisse va être saisi pour voir s'il n'y a pas de perturbation de son système, juridique. Donc moi, je crois que je vois comment certains sont surchauffés, mais ils vont... Ils seront obligés de supporter. Quoi, la démocratie qu'on a là nous permet d'avoir des points de vue différents. Il n'a pas le droit d'être sentencié. À l'époque où il Il est qui? C'est pas le meilleur juriste du Cameroun. Si on a pu les calmer. Il prend un attitude sentencieux. C'est faux, c'est pas bon. Timothée Makongo n'est pas d'accord avec vous, Abdoulaye Ado. C'est une attitude sentencieuse et vous n'avez pas raison de prendre une attitude sentencieuse. Au nom de quoi vous prenez cette attitude sentencieuse? Vous représentez le Cameroun? Vous représentez la juridiction camerounaise? Mais vous êtes prétentieux et vous dites, vous renversez les rôles. C'est vous qui apportez du trouble, c'est pas nous. Mais personne ne vous a arrêté non plus, personne ne vous a obligé. Nous voulons l'évolution du Cameroun, le développement du Cameroun. Personne ne vous arrête non plus. Que le football ne se joue plus alors. Alors, si le football doit s'arrêter parce que vous aimez le juridisme, parce que vous êtes bien très honnête, bien démocrate. Toujours il répond. Le football doit s'arrêter. Je vous en prie, il répond. On est pratiquement en fin d'émission, il répond. Oui, Abdoulaye. Non, mais il ne peut pas répondre toute la soirée. Les gens ont décidé, à partir de la semaine prochaine, ils ont pris toutes les précautions pour saisir le tribunal fédéral suisse. Et je vous dis ici, moi je ne supporte ni Abdourahmane, ni l'exécutif de la FECAFOOT. Je donne mon avis parce que je suis jaloux de la liberté et de la démocratie et que des gens ne peuvent pas nous arracher le précieux sésame qu'on a eu grâce à la démocratie dans notre pays. Il reste sur ses positions. Hein. Il n'a pas changé. Donc, on ne joue plus au football au Cameroun. Laisse-le. Voilà. Lui, il est neutre. Peut-être une dernière réaction. Son discours est un discours en plateau. Hélène, vous voyez, c'est pas. Son discours n'est pas évident. C'est pas seulement la fédération de judo. Ça se casse vraiment. Il y a des soucis. La FECAFOOT, ça chauffe. Ah, ça, le football. Je sais pas, ça suscite toujours autant de vives réactions. C'est très amusant en fait à regarder d'extérieur. Mais je pense que il y a eu des élections, il y a eu un vainqueur, il y a des choses à faire, laissons le faire et puis on verra. Si ça ne marche pas, il y aura d'autres élections et voilà, ça pourra changer. Parce que comme ça a été dit, c'est vrai que les seules personnes qui perdent en fait, c'est le football camerounais. Parce que pendant que il y a toutes ces guerres, il y a rien qui avance.
Et comme on disait, l'essentiel dans le sport, c'est la recherche de la performance. Et se focaliser sur ce genre de choses, on ne pourra que regresser. Et les efforts qui ont été mis, l'engouement que voilà, les Camerounais retrouvent dans leur football, risquent d'être perturbés énormément par tout ça, en fait. Et c'est dommage. Non, c'est dommage pour nous tous, pour la nation. Peut-être une dernière réaction, docteur Jean Crépin Niamsi. Pour vous, justement, au lendemain de ces sentences du tribunal arbitral du sport, au lendemain de l'annonce, bonsoir à Daniel Mwangin Niamsi, au lendemain de l'annonce aussi d'Abdourahmane Amadou qui compte saisir dès la semaine prochaine le tribunal fédéral suisse. Quelles sont pour vous peut-être les lignes, les objectifs que devrait se fixer la Fédération camerounaise de football maintenant après ces différentes sentences? Mais madame, les carottes sont cuites, la messe est dite. Le TAS a décidé. Malheureusement, je voulais même d'ailleurs que Ado réponde à des questions que j'ai posées, il n'a pas répondu. Il surfe dans le vide. Il dit il est jaloux de sa liberté, mais il n'est pas jaloux de sa liberté, il est jaloux de sa position. Parce que les choses sont claires. Abdoulaye Ado étant un soutien de Seydou, qui a participé à l'élection de l'AFECAFO du 11 décembre 2021, était partisan, d'accord, partant, complice, si je peux bien le dire, partisan, et actif pour être membre de l'exécutif de l'Assemblée ou bien de ce pouvoir en place. Malheureusement, le champion d'Abdoulaye Ado n'a pas gagné. Ouais. Ça veut dire que si Abdoulaye Ado, si le président Seydou avait gagné hier, c'est sûrement peut-être le camp de Samuel qui sera en train de faire les démarches au niveau du TAS. Non. Je pense que l'intérêt du football, on n'a pas besoin de ça. La messe est dite pour moi. Au jour d'aujourd'hui, le TAS a décidé de clôturer ce dossier. Le TAS a lavé les mains comme Ponce Pilate avait lavé ses mains. D'accord. Le TAS a dit, je ne suis plus dedans. Pour conclure, d'accord. Merci. Je ne suis plus dedans. Merci. Si le grand frère Abdourahmane, qui compte porter l'affaire devant le tribunal fédéral suisse, d'accord, même d'accord, là-bas, il sera député. D'accord, il va docteur, revenir. On ne sait vous pas, a compris. Toucher le tribunal camerounais maintenant en se disant, OK, voilà. D'accord, on vous a compris, docteur Jacques Repeniamsi, par rapport à cette actualité. Merci en tout cas pour votre analyse depuis la France. Il y a ce message et cette réaction de Daniel Mwangin-Niamsi qui nous parvient à l'instant. L'appel d'Abdourahmane au tribunal suisse est sans objet. C'est déplorable de constater que celui qui passe pour le plus grand juriste sportif du Cameroun ne comprenne pas que la FECAFOOT est sous l'égide du droit étroit. Seuls ces statuts valent. L'article 14, alinéa G, ne reconnaît pas le tribunal suisse. Ça, c'est la clarification qu'a tenu à apporter Daniel Mwangin-Niamsi, qui précise que la seule instance juridictionnelle supérieure reconnue dans nos statuts est le TAS, puisqu'on le rappelle, il est membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Peut-être Abdoulaye Ado, vraiment, en quelques secondes, une dernière conclusion, parce qu'on est en fin d'émission. Oui, rapidement. Oui, allez-y, rapidement. On est en fin d'émission. Il faut donc dire que tout ce qui n'est pas interdit en droit, il y a un principe comme ça, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc vraiment, ça, c'est un argument. Je respecte Charles. Mais cet argument ne va pas prospérer. D'accord. Merci beaucoup, Abdoulaye Ado, pour votre réaction depuis la capitale Yaoundé. On termine ici en plateau. Peut-être au coach Longo, un mot rapidement sur cette actualité.
sur cette attitude. Oui, oui. Vraiment, faites vivre le football au Cameroun. Nous sommes fatigués de ne pas vivre le vrai football que nous avons connu dans le temps. Je vous en prie, tous les acteurs de football, tous les acteurs sportifs, revenons sur nos choses. Faisons jouer le football. Laissons la jurisprudence tranquille. D'accord. Joe? Moi, en dehors de handball, vous regardez quand même un peu ce qui se passe dans notre fédération, j'imagine. Si. Voilà. Je regarde. C'est quoi? Ce que je dirais, c'est le sport, il se déroule sur un terrain et non devant des tribunaux. À un moment donné, il faut laisser tomber. Ça fait 13 ans que le football camerounais subit toutes les fougues et ce n'est pas chaque président qui arrivera à la tête de la Fédération camerounaise de football qu'on va attaquer encore, ressasser les mêmes choses, repartir à gauche, à droite. À un moment, il faut arrêter et laisser les enfants jouer. D'accord. Timothée, en quelques secondes, et puis on termine avec Hélène. En quelques secondes, moi, je suis content d'avoir rencontré Joe, d'avoir rencontré Hélène. Et de voir longtemps qu'on parle de sport, et de ses joies. Et j'étais content d'apprendre ce soir que vraiment, que relèverait aux Camerounais pour qu'ils le prennent à eux, qu'il faut absolument se concentrer sur les performances. Oui, la recherche des performances. La recherche des performances. Voilà. Hein, c'est tout le reste, là, franchement, le judisme, ils nous perdent. D'accord. Hélène, le mot de la fin. Merci. C'était très enrichissant de partager le plateau avec de grandes sources d'inspiration. Et voilà, j'espère que les autres sports et que tous les athlètes camerounais se mobiliseront d'abord pour l'amour de leur sport avant une recherche individuelle de satisfaction, d'abord pour l'amour du sport. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci messieurs d'être venus débattre avec nous ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à la grosse équipe technique réunie autour d'Adonis Yamène. Amis sportifs, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Oui.